تكون صحة مي تولم جيسبر يعني جيسبر كويس خير على خير الله تولا با سيارة كريم سليين أثنى دينيض afin y en le document d'Aragui. Donc je vous ai montré la version presque originale. Il y a beaucoup d'enjouillants qui ont été améliorés. Mais j'ai préféré ramener cette version-là originale parce que, bon, telle qu'a été vue par les premiers, il a franchement que c'est guillage malgré techniquement mais le message pour moi il est plus fort on a climat khmas fro ndem zourak ma staawdo le quoi je raknim zou ay zourak ki sa arouha al quran achouvrir en ce qui concerne justement le thème non la lutte pour la réussite sociale chez la jeunesse va ouvrir un débat afin voilà des films j'espère qu'il vous a inspiré soit des idées ou des questions donc avant Adam Tama, Dinimaïno Nehuan, Ratsim, pendant un moment, et puis on va passer ensuite à Laurent Monnier de Nahrachtafnes. Mais pour l'instant, quand je Ratsim, notre mandiba a des commentaires afin de voir la vidéo. Attends, on va voir. Oui. Ce reportage durait de 52 minutes. Non, oui. J'aimerais bien savoir la durée de réalisation. La réalisation, khella, parce que c'est parti sur vraiment un temps très très long. Ce matin, c'est des images qui ont commencé depuis 2000. Vous avez vu la plaque née 2000. Donc voilà, c'est tout un processus, c'est beaucoup d'heures d'images. À la fin, on les a condensés dans un petit reportage de 52 minutes pour raconter l'histoire de cette région-là. En fait, le message, il est clair. C'est réussir, essayer de réussir dans un environnement hostile. Donc, c'est la piragui d'Aoukhethen, Inzoura. Après, dans l'histoire de la région, au fait, la région, ils étaient déjà des artistes, déjà pendant la proto-histoire, et nous avons trouvé des figures rupestres sur des grottes, voilà, monsieur Hindina. Donc, à l'origine, ils étaient déjà des artistes. Je te venais vous voir, je te tarikh ansan, ou khedmet. On peut créer une nouvelle génération. Elle a développé la pierre à guille jusqu'à ce qu'il y ait un Farid à guille. Au début, ils avaient l'idée d'aller acheter ces machines-là parce que c'était dans l'emploi de jeunes. À l'enseigne, mais comme ce n'est pas des gens qui ont la crédit aussi, donc il a vu, il a fabriqué. Et je vous assure que la région Nord, moi je peux dire que grâce à Farid Agui, il a sauvé tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà quelques mois ou bien une année à peu près avant, nous le faisons la tronçonneuse. Donc l'intelligence a fait la tronçonneuse. La tronçonneuse, le connaît, c'est ce qui est intéressant parce que là, il y a la silicose, elle a fait un tir. Donc déjà, il y a un village à côté, c'est Mr. Abzoro, il y a un village à Bochni, mais il y a un village à Bochni, jusqu'à maintenant, depuis toujours, nous n'avons enregistré aucun malade. Pourquoi? Parce que ce midi, il y a un village en 2000,
vers 2000, 2001, 2002, il a inventé la machine qui est RSMN. Donc il n'y a plus de poussière qui se dégage. Ou c'est ni dans l'abel ou c'est l'abel, c'est le circuit qui est là. Mais c'est le territoire à côté de l'Islaïs. Mais c'est déjà là de penser à ça avant. Donc vous voyez, il y a RSMN, après, il est gêné. Bon, c'est vrai, quand tu tailles comme ça la pierre, c'est où, c'est où. Donc déjà, tout de suite, on a les masques. Maintenant, il travaille depuis avec des masques. En plus, la poussière, le coin de la poussière, c'est une image d'une meule. Ça, c'est grave le coin de qui m'a dit. Après, cette feuille, franchement, il les a sauvés. Voilà, une autre question. Oui. Bon, moi, j'ai vu quelque chose au-delà du message de ma tradition, c'est la défaillance de l'école algérienne. Quelqu'un qui est destiné à être un ingénieur en électromécanique, elle a été exclue au lycée. Oui, de première année. Ça, c'est la défaillance de l'école algérienne. Sinon, la question, c'est autre chose. Les dessins, ils donnent la grotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas un ordre Oui, j'ai fait un documentaire au Sénégal, la chaîne YouTube, la cabine est profonde, j'ai tout expliqué. Et Smith, bon, c'est pas le sujet, on va pas s'attarder dessus, mais on est vraiment dévoilé directement, je sais pas moi s'il y a des gens qui l'ont vu, c'est histoire et mythologie de la Berbérie, de quoi Tarehat. De toute façon, c'est presque l'avant-dernière vidéo, donc tu rentres dans la cabine profonde, ça fait qu'un verre avec. D'accord. J'ai tout expliqué là, l'histoire de Chibra Dini, Kouchelina. Et c'est un sujet de documentaire encore plus approfondi que je suis en train de faire. Alors, un enregistrement. Inch'Allah, je vais participer avec lui au Festival de cinéma Mazia le mois de mars. Essentiellement, ce n'est pas pour gagner, mais c'est pour faire la découverte parce que nous avons des sites extraordinaires en Kabylie. Les Romains. Les Romains, qui sont des gens 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 qui sont des qui connaît. Les pharaons, c'est la deuxième dynastie des pharaons. C'est un mot pervers avant Chichnak. Il faraonin, un milice historien des années, qui est à peu près égyptien. Qui s'est mal les pharaons? Voilà, c'était des dieux. Ra, par exemple, Toutankhamon. Tout, c'est un dieu. Amon, Amin. Enfin, vous dites, c'est un sujet de réchauffement, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, pour répondre à votre question, on est en train de travailler dessus de façon très très profonde. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Anne-Sophie, ici. Excellent. Des reportages, Nzra, par exemple, de la pierre, ainsi de suite. Mais nous avons, par exemple, une liaison en guerre d'études de la pierre, par exemple, la pierre. Par rapport à l'étude de la pierre, par rapport au reportage. C'est la liaison. Ah, la liaison, c'est le rapport entre la pierre et le reportage. Ah, c'est-à-dire l'étude de la pierre, je ne sais pas, ma durée de vie, ainsi de suite, par rapport à. Non, on n'a pas fait ça, parce que chaque pierre, ça a des caractéristiques. Pour qu'ils connaissent la roche de grès. Mais la pierre, je m'attire éternellement. C'est-à-dire la pierre, elle s'occupe par. Le vent, l'érosion, la chaud, mais l'eau ratée, par exemple, il y a des rochers qui sont depuis combien de temps, c'est-à-dire, la cité le phare d'Alexandrie, où les choses disent, jusqu'à maintenant, donc la résistance de la pierre, la consistance de la viscarane. On n'a pas fait d'études, mais la pierre, c'est la pierre. La pierre, par exemple, le gypse, le winitiokaman, ça va être un drabou, ça va être un kassah, mais ce n'est pas le sujet de. Quand on a fait ça, on a fait la roche de grès,
تنان تشتوليزي ماشي زلقا الساحة نغا في سخان الباسيلكس نو وي اين اوتر كيستيون سي بوبلي وي qu'est-ce qu'ils sont devenus les personnes qui excellente question. Excellente question. Donc voilà, ce que sont devenus ces personnes-là. Premièrement, ils sont tous bien, alhamdoulillah. Et ils ont tous avancé. Farid Agui, par exemple, ben, figure-toi qu'il a créé une usine de on lui fait des commandes à travers l'Algérie. Il n'a jamais quitté. Il venait à bâtiment, les tombes. Mais je te fais l'abscrire parce qu'il est tout le temps. Je voulais le ramener. Franchement, j'avais tenu à ce qu'il le ramène. Et dans les mêmes demi-dénoms, c'est de voir la Zafafafnes. Wallah, la Zafafnes, t'as ça. J'ai même osé crier dessus. Mais je me disais, voilà, c'est cool. Il fallait que tu viennes. Mais il était vraiment occupé, donc ici, son excuse. La vérité, il n'y a personne, il y a une usine. Tout le monde lui livre de la pierre, il tire de ce qu'il y a à Zogor, il tire de ce qu'il y a à Zogor, il tire de ce qu'il y a à Moulin, il tire de Nawarna ou Kliboujima. Il demande sans arrêt. Tous les constructeurs, ils vont aller, de toute façon, maintenant, il est connu. Même, il y a une vidéo, la cape est vide du ciel. Et bien, c'est lui qui l'avait financé, c'est lui qui avait financé le truc de le drone, mais de l'homme qu'ils imaginaient. Une autre question, s'il vous plaît. Donc, je veux justement rebondir sur la dernière séquence. Est-ce que donc la dernière séquence c'était un appel du jeune ou un appel justement pour rester ici et ne pas chercher à aller ailleurs pour gagner sa vie. Justement, est-ce que votre objectif dans cette réalisation est de ramener les jeunes à se concentrer, à se focaliser sur leur capacité à créer ou à se chercher justement? Oui. L'appel que j'avais lancé en 2005 et j'avais lutté pour ça pendant longtemps, à ce que c'est-à-dire les Aïbèdes, ils fahment, les Aïbèdes, ils râlent, les Aïbèdes, qui sont capables d'être comme les Moutagui. Et qui ne s'est pas dit que c'est que les chanteurs nerviens. Kamal Hamadi, les Smaghav, les Wid, ils fahment. Voilà, les Tawad Yakimen. Donc, On essaye d'encourager les gens qui ont la seule façon de grandir est de reconnaître la grandeur d'autrui, des autres. Très bien, la reconnaissance des autres. Il n'avait aucune intention de montrer ce qu'ils font. Aux peut-être même pas short, mais parce que ils sont emportés par le besoin vital de vivre. Ils sont exclus de l'école. Il a ouvert l'ordinateur. Il veut faire un petit scarne, il leur invente une machine.
Il est moins sérieux, ni bon. C'est lui qui a créé l'entreprise, il commence à livrer la pierre aux clients, il est devenu client. Donc, il fallait que je rentre de ma voix. C'est tout ça. Donc, maintenant, il est bon. J'avais la chance à l'époque d'avoir une caméra. Où est l'arrivée? C'est extraordinaire. Pourquoi ne pas lancer ça? Pourquoi ne pas parler d'eux? Qui s'y dit, par exemple, l'arrivée de nous, où il est résolu, soit une scène. ودريف كل القيمة يوين سعان داغن لكني بارسكو مو الزخرة سيمنا وكوني سيمنا ميلون خدمة وكوني يمنا ويولي شوية ديال سن تولى بازم تولى سميستي مولا غورا بلا شو تولى دو سنة يسوان لا سير فو يعني داغ دار الاول ها غورنا ستي لي زاني 90 بس المادة ياخذ معك كي الفيس ياخذ معك كي تبدا تفكر سوا ابل شطح حكى التيوريزم زقال شفت تفرج عليه بوكا كي سقام لاشين اورونيوز تو لي جور افاجي هكا فوالا دونك تولي كي سي تمور ايرلاند موزانا بلي ديجا خطر على ايبوك بون لو ريبورتاج كي يل توشي ان بو ليبوك مي لا نقولوا دي سيناريو سيناريو ديال كومام يا دي جون كي ريزيست يا دي جون كي ترافاي يا دي جون كي لوت دون سو بي لا بور يو كان تحلين القطب القطب السن ستينا الحرمة ستينا غنسن بلا ما نروح نسوت الفيزانا بقى من سميس الكاو ساني كان دي الجي كان توت لا نوي لا شين سيتي فريمون اون مليون مو ميم جي فيت هاد الشين لا مي تروح لا تخم الله شنا فينا مي فوالا تسكينا دارين رومي سكان دي لاشين ني سكان دي زيماج ني اي بوركوا نو با مونتري دوتر زيماج دي جون كي ترافاي تخو سان هذا كي دونك فوالا لوبجيكتيف بوركوا جو مسوي انتيريسي ا او اي بوركوا لا غام ما الا الميساج كي يسنى غير العباد يسنى الخدمه الحاجه قيمه هذا بي سين ذاكي بوركوا با مو جو سي برونور اي جيسبيغ كسا دوا اتر كسا با اتر لو كومبا دو شاكان Je ne sais pas ce que je pas grand chose. Mais si je dis 800 euros, tu es dans le million. Chini. Ou tu es dans le million. Tu es dans le million. Tu es dans le million. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, toujours dans le sujet, il y a la réussite, la lutte sociale, pour la réussite sociale de notre jeunesse. Quand on verra, il est un crime. Il est un crime du sujet, du domaine, du walif, du chien, le hajj, du guide. Un coup, oui, par exemple, du gopas. Pour moi, le café littéraire que vous avez réussi à mettre sur pied, en dépit de tous les problèmes, des entraves, franchement, le coin des caravanes, le coin des caravanes, regarde comment un reportage flou. Il vient de voir Gérard Olivier d'or. Est-ce que ça vous a inspiré aussi d'autres choses? Non, on va parler un peu sur le roman. Je voulais juste rendre hommage à Farid. Malgré le chiffre, j'aimerais bien que toi et Youssef. Oui, j'aurais. Et franchement, c'est un reportage qui va te donner mon cœur. Donc, c'est l'occasion de te rendre hommage aussi. Et la Kaddish Lévec. Et de souhaiter une bonne continuation dans ce. J'aimerais bien que tu précises le message exact, c'est-à-dire il aime le rapport, il aime hier le reportage lui-même et tu veux que mes frères aient directement ton message exact par rapport au reportage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, quel est le message de ton à travers ce documentaire? Le message, Nadir, Mkouliou, bon, le message, il est clair. C'est vrai? Enfin, moi, il est clair. Mkouliou, M. Tifhem,
D'ailleurs, à la fin du générique, Marquette, et toi, qui vas-tu faire? Chacun doit faire quelque chose. Et il lève un point, voilà, de relance dans le documentaire. Problème, il avait entrepris de fabriquer la petite machine qu'il a trouvée sur le marché. Donc il a ouvert à peu près et il a commencé à l'inviter parce que bon, c'est le même principe, hein, la courroie. Et puis, mais il avait entrepris de fabriquer une machine plus grande qui va tailler des grosses roches, avec une violette, les Romains et les Pharaons, des pierres comme ça. Après, il a charné, il s'est adapté énormément de temps à le mettre sur pied. Mais après, à la fin, il faut être béli, il est possible de le faire marcher, de le faire fonctionner, mais il n'est que des scamires, là, il est Il doit dire 35 000 dinars à l'époque, le disque. J'ai marqué le prédit. Il est déjà des scandales. On peut dire fchid. Parce que quand tu fais quelque chose, à la fin, on te dit fchid. Il n'a pas cédé au découragement. Malgré son échec pour fabriquer la ciné longue née, le charnam Quran, mais. Il se rend carroyis, il a un autre moteur, et bien il a fabriqué la dernière machine, il est au fur et à mesure de la haja ou ce qui m'a rien, même pas au fur. Voilà le message, même si tu as échoué une fois, si tu as de la ténacité et de la persévérance, tu peux réussir encore mieux un idéal. Donc c'est la vie de l'Ina. Et c'est une vérité, mais c'est une demande. Et donc, c'est-à-dire votre objectif, si j'ose dire, c'est-à-dire que nous avons les capacités de passer de la société de consommation à une société de production. Oui, à taxa hasm kada fi lhaja. Nkouni da gait mour l'Oqbayel, nsa des génies, ou sbe, goumad varin, khatar, nkouni ma illa, surtout, ou dili, ilan nigna, izmeren hitsinen. Tsidrin ten. Ayrat ntsidrin la khatar, izmeren, ou gwen nabas l'khamad dili. Mais, d'ailleurs, c'est pour nous faire maintenant l'ingoula. Le point de vue de la guerre, c'est pas du clientélisme qui est parent de la guerre, le manar ça. Mais d'abord, le pays le saisit, c'est-à-dire, c'est un autre documentaire, c'est l'organisation sociale dans un village, à la femme, l'Ouzia. Enfin, la voie donc tournée, surtout au Midbouinaman, mais en avril, avec les moyens du village, sans l'aide de personne. Donc, c'est de l'arrière-manie, soyez stouzi. C'est la réalité, c'est ma réunion, la scène. Fait un coup, il m'a dit, je coulais chez le Hakumo d'une sakara. Là, c'est une sakara. Là, quand tu cours, tu quittes. De toute façon, moi jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne parce que quand Zara ça fonctionne, il est 80 ans, il est spécial, il est l'hélicoptère de Zara depuis 2000 il est sur le terrain. Et le moyen. Et pour de la WEN, il n'est jamais trop tard à ce que chacun se prenne en charge, à dire bien Manis, à dire bien Rawis, la résistance. ذي الخدمة، ذي القراية، ذي الفهمة، ذي الحمالة، تقرا خدمة الدراجة بالحمالة المور سي ان بو ديماغوجيك، سون لا فعلا نحب هذا البلاد ما غاش نجري، نو مي ما تحملو، ذي المور اللي تحملو، انداز الضغط تو بو فير دي زيفور، خاطر اني هنا، الى تو اسمي سكن ديك ليبا، اني ان اي في سكي تو فو، ان اي في سكي تو فو. Voilà, on connaît par exemple, d'ici,
نحمل الجواليك بازوك لا كاميرا يبان السكان التقبايلي السكان تمر القبايل سي دي زيماج انيديت تعاونت الغاشي ان دوكيمونتار ما كيفرا بليزيور فوا يتوقما يسخم على بروجيكسيون يوتيك يتخم على بروجيكسيون لا تشوان ديك الجوزو اسكاين مي سيتي لو جور لا سيتي باي لا فوتوغرافي تو لو فيلاج يهضر في لا سين فرشني تو اي ما بابلي مي il a fait un travail extraordinaire. Il y a des choses qui sont à voir. Quand on a vu le gaz, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il faut que les gens qui ont fait le travail, pour moi c'est de la résistance, parce que tout le monde a rien d'encourage. Et quand quelqu'un qui est en train de se faire, il est en train de faire le message qui est j'essaie d'être indépendant des gens qui ont fait le hadjar, qui ont fait le chantage, qui ont dit qu'ils ont fait le chantage. Voilà. Il a entrepris de fabriquer un char, un Coran, et il a fait l'ambition, c'est que vous avez été examiné, et bien ça n'a pas marché parce que ça coûte trop cher. Il se fait de ma il a inventé un autre système, il fait des pierres avec des gorges, parce que les cheminées, c'est avant, il n'avait pas pensé à ça. Voilà comment les choses, il y a des petits blagues, dans quelques directions, il a dit, voilà, et puis il se débrouille. On dit que c'est le besoin qui crée la fonction. Quelle est la fonction? Voilà. J'ai expliqué aussi, Donc, en fait, ce n'est pas uniquement l'école qui forme les savants, mais quand tu arrives, l'école, c'est en fait des monstres en plein, des machines, etc. Donc, où les déchets, non, l'école, c'est une faillite, les monstres. Sans l'école, à l'absence de l'école. Voilà, de mon niveau à peu près, mais il vraiment, ça convient à ce que la vie. Oui, ça convient dans le sens d'un, parce que nous avons à l'époque, je parle des années 2000, 2001, 2002, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a eu des fans qui l'ont coupé, la place nous n'excluent, c'est une façon à l'époque d'un, mais reste, tiens. Pourquoi ne pas donner le courage aux gens des Américains et la cool. Alors, il y a un stage. Alors, c'est où il y a un stage. Et qui par exemple, là où il y a un stage, ils avaient des connaissances vraiment limitées. Ça a beaucoup de lacunes qui ne peuvent pas combler en première année, en deuxième année, en troisième année. Au lieu de faire un stage, il va entreprendre quelque chose d'autre. هذه تردو بني هذه تعود كان باش طوا عاود يلي سينا هذه يخدم دي توريزم سكولير قراسي وجا دي توريست سكولير هنا برا لا فان ولاش هو تفضل لي سي دي تونيسي لي سي لا ريجون يخدم مثلا واحد تخمم الستاج يا بوكو شو دون لا في تي بيردو 5 اون سيزون دو تا في ا فير لا كان اسمي دي توريزم سكولير يا باك سا تقول لي مالك باغ اكزومبل القرايه كي ليسي نال سيام وكساده واحد تخمم باتيسري واحد تخمم كابلر تا هو دخل هكا داير الميكانيسيان ذاكي زعما توجور باش نقيم لا لا سميس بور لا ريوسيت سوسيال لا افون لا فورماسيون قال لك لورينتاسيون الي فريمون انديسبونسابل الى لي كونسيي دورينتاسيون الى دون دي كوليج دون دي ليسي الى خاص من ان ترافاي افيك لي بارون ان ترافاي de fond, où se met à s'orienter, une chiche, une skin, en science, alors que les matières scientifiques, il est faible. 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 Il est faible.
tu n'es que dans la science. Si tu me perds, tu as un mat parce que tu as dit 19 ans en science naturelle. Science naturelle, ce n'est pas des sciences exactes. Mais il y a l'histoire géo, dans la philosophie, dans l'arabe, dans le français. Un TCOL, par exemple, il dit 18, 9, 16, il s'agit de belles moyennes, il ne faut pas l'orienter en mathématiques. Voilà, donc l'orientation est très, très, très importante. Aux armes, il l'a vu. Mais ce que j'ai constaté dans ce reportage, il y a trois volets. Oui. Le premier volet, c'est philosophique. Il y a l'idée, la volonté de travailler, si on peut dire une très forte volonté de travailler. Et puis, sur le plan social, et l'encourage des autres à travailler, ils travaillent pour leur société, par exemple. Pour réussir, oui. Ouais. Et le troisième volet, c'est l'essentiel, c'est économique. Absolument. La richesse. Absolument. Et vous allez citer comme exemple ce jeune qui s'appelle Farid. Il est dans la richesse, non? Maintenant? Ah, ouais. Non, on ne peut pas dire qu'il est dans la... Il travaille jour et nuit. Il fait travailler les autres. Voilà. Bien sûr qu'il a un gain. Mais quelqu'un qui ne gagne pas dans ce qu'il donne, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se vider. Et quand il va se vider, il va servir à quoi? Un jour, je n'aurai plus le plastique qui m'achète en marche. Il faut qu'il vive, non? Et bien, c'est ça, la lutte pour la vie. C'est, on travaille pour vivre. Est-ce qu'on mange pour vivre ou bien on vit pour manger? On mange pour vivre. Donc, pour manger, il faut avoir des moyens pour acheter. Et tout ça, c'est la vie, c'est la survie. Tu vas me l'oublier. Donc, pour le plaisir, je ne sais pas, Et ce qui est extraordinaire, moi je parle de ce sujet-là parce que tous les jeunes du village, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, et que tout là, je parle maintenant, parce que 2005, ça fait que c'est qui crée les étudiants, il est là, il faut aller voir quoi, c'est comme la farine. Ben oui, c'est merveilleux, non? Oui, c'est très bien. Mais ce que les gens ont dit, une fois que les gens réussissent, ils sont inspirés avec les gens. Ils disent, on peut faire quelque chose. Avec les gens, ils ont essayé de faire. Deuxième question. Réellement, madame, grâce à lui qui a développé le domaine de la pierre, est-ce qu'il n'a pas pensé de développer d'autres... En ce qui concerne le reportage de Guy Farid, en particulier, il a continué sur la même lancée. Donc, ce majorité américaine est profité de l'intelligence, et des créations et des inventions étonnes. Elle m'a fait mes domaines avec les développeurs, mais très bien. Non, c'est une excellente question de Guy, vraiment, à Texaha. Il m'a parlé de la spécialisation. La spécialisation, c'est de l'œuvre, il va approfondir une connaissance. Prenons maintenant l'exemple de Farid, c'est la pierre et la taille de la pierre. Justement, je vais vous dire, vous avez dit, les spécialistes. Vous avez dit, dans la vie, si tu veux réussir, tu vas gagner le chemin. Sois spécialiste dans ton domaine et laisse le domaine aux autres. Parce que là où il y a des gens, Farid, je ne lui conseillerais pas. Moi, je l'encourage dans son domaine parce que c'est un domaine qui est vaste. Qui peut lui apporter quelque chose et que toute l'énergie qu'il a intégrée qu'il a géré qu'il a de même. C'est ça. Et la valeur de l'expérimentalité, c'est la création de machines, machines à pierre.
l'utilisation de la machine. La machine après n'importe qui a d'ailleurs. Mais l'utilisation de la machine, le rendement, n'importe qui a d'ailleurs. Mais l'invention de la machine, lui, l'invention de la machine, c'est un petit peu inventé. Mais tu sais qu'il y a des gens, c'est pas lui qui travaille maintenant. Qui sert d'ailleurs. Mais dans les informations de la machine. Parce que finalement, tu mets le système mécanique, etc. Mais tu sais qu'il y a des machines. C'est pas lui. Non, attends, je me suis mal exprimé. C'est une machine qui a fait des machines. Ok, d'accord. Une machine machines et tu as fait des machines. Ok, vous faites un système. Oui, vous faites un système. Quand vous avez fait un système, on a eu les 14 mois, je sais pas, c'est une machine très peut-être, non, il n'a pas pensé à ça, mais il a décidé. C'est une expression de besoin. C'est une expression لو كان فريد اجي لو كان يجي راه مانيس لو كان يجي راه مانيس سا يو فو اروز مور جو سوي سير سير تاكي بو كي لوري انفونتي كيك شوز مي سا سي بور اوني مان بور وي يو باس على سي ماشين اي تورا اسمح لي ركز علي داك تورا نحضر كل حاجه على بيزوان دي ديفلوبي توت لي زيدي باسكو سي في با دافوار اون ايدي اون ايدي يل فو لا كونكريتيزي العباد واش عارف لي زيدي مي لا دي ليس خدميت ترى إبرانية أكا يخدم وين دي خلقن القوبلي يجي البورتون زي كي يخدم القوبلي بجلاج مي رقعت سيوتي إلي ونو شينوا يروح دار داقي أتمور ثنا إداك فوربو إيوا لا مش كنت سبقا نوك صراف ناس نوك اللي يكتب لي خرضر كلي إبا روح هذا شيني فادري كازم تيزنا كي ثلاث خمطة كي تكتب لي ساعة يخدم فورتيون Ça, c'est des idées. Donc voilà, si on reste dans le sujet, voilà, Skinner Dwagi, c'était un exemple. Sur la feuille d'Agui, bon, je ne peux pas vous raconter sa vie, malgré que je le connais dans la chose, mais l'essentiel est que Marat Fal Avrid Awit Akil Ali, ou Ali Mchaki Soufour, parce que tu t'es engagé. Donc il s'est engagé dans ça, tout là, il a eu une grande chambre de monarchie, il va développer. وين يبغى غادي يخدم سميسي فارد هذا بحال عفاف بحال عفاف الرحمة ربي مي ماشي هي وين اللي يخدم كلش اون اوتر كيستيون نادي الروماني ها دونك اون باس اي فوالا بون دونك فوالا Tu peux ajouter une question? Oui, bien sûr. C'est plutôt une suggestion. Pour qu'une société avance, il faut que l'école elle-même motive l'enfant. Or, chez nous, on n'a pas le droit de réfléchir en dehors des idées reçues. Un gosse qui répond très intelligemment à une question, il arrive souvent que la maîtresse ou le maître ne la comprenne pas et qu'est-ce qu'elle lui répond ? Rien. Nos propres parents, dès que nous proposons quelque chose, ils nous regardent de haut. De quoi ? Oh, ça ne se fait pas. Il faut faire comme les anciens. La question est, le jour où on change d'idée, le regard plutôt des adultes envers les enfants, en essayant de leur inculquer la confiance en soi et en reconnaissant leur génie potentiel. Dans ce cas-là, les enfants, quand ils ont une idée, ils la proposent et ils trouveront de l'aide pour la faire concrétiser. Chez nous, malheureusement, dès que quelqu'un a une idée, il a peur de la proposer. Parce qu'il y a aussi autre chose. Même s'il arrive à l'extérioriser, s'il ne réussit pas, on ne voit pas le côté qui a essayé bravo. La prochaine fois, ça ira mieux. Non, on le traite encore derrière. Du coup, pourquoi tu veux te dépasser? Pourquoi tu veux nous dépasser? Pourquoi tu ne restes pas avec nous? Donc, la question est fondamentale selon moi. À quoi sert l'école? L'école, chez nous, c'est la reprise de l'école occidentale, pour ne pas dire française, qui a été faite d'abord pour que les gens puissent
servir correctement dans les usines et dans les entreprises capitalistes. C'est un encadrement. Formatage. C'est un formatage, bravo. C'est un formatage. Et nous, après l'indépendance, comme nous avons été tout le temps relégués aux travaux subalternes, aux travaux d'esclavage physique, parce qu'on n'avait même pas l'âme. Après l'indépendance, chacun voulait que son fils ait les diplômes les plus hauts pour avoir de la considération, parce que c'est ça. Le colonialisme nous a rabaissés et nous, on a besoin de reconquérir la considération. Ça, c'est parce que malheureusement, je suis arrivé en retard, je suis arrivé, comme vous disiez, le travail, l'école, l'apprentissage, c'est pour travailler, pour gagner. Pas seulement ça. Il faut mettre au devant la considération de la personne. Tant que un manuel n'est pas aussi bien considéré qu'un autre, il y aura cette volonté de faire redoubler son fils. Parce qu'il faut qu'il aille à l'université. Il faut qu'il aille plus loin à l'université. Et nous avons vu des parents analphabètes qui choisissent la filière de leur fils néo-bachelier. Parce que c'est dans la tête. Donc, et en plus, ces derniers temps, malheureusement, tout le monde veut devenir riche, riche et vite, plus vite que rien. Merci. Si vous permettez, la Erli, quand je regardais, pour vous, j'ai recopié trois citations. La réussite des enfants. Inès, docteur Pochet, mais des économies. Chez des Smithiens, vous m'avez inspiré, vous m'avez rappelé ce que j'avais dit, parce que mais tes économies dans le cerveau, les muscles et les poumons de tes enfants, si là qu'elles fournissent les plus gros dividendes sans rien devoir au fisc. Inès Darren Emerson, donner à un garçon de l'adresse et des bonnes manières et vous le rendez maître de la fortune partout où il ira, il n'aura pas les peines de lui courir après, elle viendra elle-même le solliciter. Pourquoi un garçon? Un garçon, fille. Je pense qu'Emerson, quand à son époque... Vous voulez dire un enfant? Un enfant, oui. Ah, il a dit un garçon. Attends, j'ai recopié. Il a dit un garçon. Congé. C'est extrême droite, c'est tout. Emerson, c'était un grand humaniste américain qui a contribué beaucoup, beaucoup, beaucoup au rêve américain, l'esprit américain. Impérialiste. Mais pas allège. Donc, il y a d'abord le Swami Shivananda, c'est un hindou aussi, dans la littérature hindoue. Il est que les enfants sont les constructeurs de demain, ils sont les citoyens futurs, ils sont la destinée de la nation, élevez-les, disciplinez et façonnez-les bien. Il faut donner à un enfant une éducation virile, à des sœurs, une confiance en lui. Et Christine, c'est aussi grand que ta foi, aussi fort que ta confiance, et aussi invincible que ton courage. Le génie est l'art de prendre de la peine.
فوالا صدر امشي لقن هضر يهنا مولانا صدر يوراونا سورتو 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 سي بور نو باسي دي شطوح الكوراج سبيسيال دي كوراج اي او دي كوراج ان سيرتان دي كوراج مو كلش اترجو سي البوفوار وي تقول القبائل لو كان نرجع كلش سي البوفوار والله العظيم انا نقيم كثر مازال اكستيرفون Heureusement, les Ayvad ils sont pris en charge. Rouhna la France, ils ont les premières entreprises de qui ont cabinet. C'est un modèle de société extraordinaire que nous avons hérité des Sahabes. Chichnaq, c'était lui qui avait organisé la première fois des réunions pour discuter des problèmes. Donc, je vois qui. Le génie kabyle, c'est quoi? Le génie kabyle, justement, c'est ça, c'est l'invention. Nous avons vécu, malgré les envahisseurs, depuis les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Turcs, les Arabes, les Hilaliens. Non, les Turcs, après les Hilaliens, après les Turcs, après les Espagnols, on bat les Turcs. Avec ça, soit je te dis que les Thoudrina, Kaiment, Slaway, Vincent, Kaiment, Slaharmasan, Kaiment, Sabor, Tunisie, Kaiment, Khilla, Khilla, Nouara. Donc il a fait un Wakhra, Aftigi, ça a fait notre réussite. Qu'est déjà ces preuves un petit la société kabyle. Donc à ce qui est les jeunes ils se chinouillent en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que homme de lettres, de culture, il a quand même l'espoir il a quand même une succès, c'est qu'il y va de notre responsabilité, sinon il va se débrouiller ou l'âge déjà ça a commencé parce que maintenant un peuple dans l'aïeb de guerre les déchets de gouvrir ou de halouanera ça traduit un mal profond en lui un mal profond c'est-à-dire halouanera mais je te dis quand tu regardes dans l'histoire nous on dit des beylik c'est les turcs qui ont fait un choix avec des beylik comme quel est un beylik le rôle de l'école aussi. Non, l'école. L'école n'a pas joué son rôle dans ce sens. L'école, écoutez, j'ai pas. Je ne sais pas si la question m'a été posée dans la show, mais l'école, j'ai pas envie de rentrer dedans. D'abord, je suis un enseignant. Je suis un retraité de l'éducation nationale, donc Aroulette, qui sera dernièrement, je suis un retraité de 56 ans. Parce que je connais les problèmes de l'intérieur et je suis moi-même parent où je me rase pour me la couille à 100%, où je me rase pour me chercher à 100%, où je me rase pour me système à 100%, et qui me rase pour me à 100%. C'est un sujet où la mal haïti ou Kamel, sinon je ne le maîtrise pas, sinon je ne peux pas faire meilleur que ma main dans le prêtre. Donc on passe au roman, n'est-ce pas? Voilà, on va passer au roman s'il vous plaît, si vous voulez. Moi qui Maïla ou Nibrandi El Hajj Rachou, nous sommes là dans le débat, donc je suis venu, c'est parti quand? Ou la halle merde le bri, elle aussi a de yoga smahsal rachi. Excusez-moi, j'ai tendance à monopoliser. Eh, malheur, malheur. Proposer oui. Une autre chose, c'est que diffuser auprès des parents l'idée que l'écran ne doit plus être la babysitter. Là, la babysitter. Oui. Parce que le problème, nos valeurs, qui a fait le génie. Il y a des Q5 médias qui démarrent là, on peut la regarder. Donc, elle a démarré. Votre nouvelle télévision. Elle a démarré 12 janvier, elle démarre. Où est-ce qu'on voit la carte? Ah là, c'est technique, il faut voir les gens qui savent faire les paraboles. Inch'Allah, qui me donc, je disais,
Vous parlez du génie kabyle et de comment il a résisté et de Chichnar qui avait commencé à faire des propositions. Pour discuter des problèmes, Non, il s'achetait que c'était le premier qui a ramené une assemblée nationale. Oui, j'arrive à ça. Donc, je disais, il ne faut pas que l'écran reste ce qu'il est devenu depuis un certain temps, la babysitter. Il faudra que les parents reprennent, au moins jusqu'à un certain âge, la discussion avec leurs enfants et reprennent et reconnaissent l'apport. Non seulement affectif, mais effectif des grands-parents et des anciens. Parce que, malheureusement, nous avons quelquefois dans les quartiers des bibliothèques vides, c'est-à-dire des bibliothèques dans le double sens, le meuble bibliothèque où il y a de la vaisselle à la place des livres. Et nous avons des vraies bibliothèques où il y a des livres comme ici et il n'y a pas de lecteurs. Parce que malheureusement, la culture berbère est orale et c'est pas facile de passer de l'oralité à la culture livresque. Donc, il faudra que les parents reviennent à garder leur bébé, à discuter avec lui et à lui inculquer certaines valeurs. Actuellement, je dis, les parents, le bébé pleure, mais lui descend animé. Et l'écran fait la babysitter. Qu'est-ce qui va devenir ce gosse quand il arrive à l'école? Il n'a pas un esprit prédisposé à dialoguer. Il a un esprit prédisposé à absorber. Et le pouvoir a compris ça. Il ne lui apprend pas à faire une critique. Alors là, il synthèse ce qu'il a vu, c'est autre chose. Donc, la première école, c'est l'école à la maison. La famille. C'est la famille. Maman. Et le premier ennemi de l'intelligence, du développement, c'est l'écran. Moi, je déteste ça. L'écran, le petit écran, la télévision. Je ne parle pas du cinéma. Parce que le cinéma. Ah, c'est autre chose. C'est du bon cinéma. Ouais, c'est ça. Non, il y a une question essentielle. Dans tous les peuples, dans toute l'humanité, si on est arrivé à ce stade-là, il y a deux choses importantes. C'est d'abord le travail comme valeur essentielle. Oui. Le travail comme valeur essentielle qui produit toutes les richesses du monde. La richesse, ce n'est pas seulement matérielle. Toutes les richesses du monde. Et c'est le travail, c'est à travers le travail aussi qu'on cristallise les savoirs. Les savoirs au sens large, hein, parce que il y a le savoir académique qui s'arrête de les écoles. Il y a aussi les écoles de la vie, les savoirs qui se communiquent. Toute sa vie l'a consacré parce que pour lui la pierre c'est quelque chose qui lui renvoie quelque chose de profond, il a travaillé, etc. Ça peut être les charpentiers, le Moyen-Âge, etc. Qui sont liés au travail, à la production de la richesse, qui
qui elle-même, elle appelle d'autres besoins. Chaque besoin appelle à des savoirs, chaque savoir fait avancer les besoins, elle met de l'envoi, fera ce qu'on est, fera. Donc la valeur essentielle de l'humanité, oui, c'est ça. La valeur essentielle, parce que c'est elle qui a produit tout. Toutes les connaissances, c'est le travail. Il y a Zik, nous sommes en Mahon, nous sommes en Kenan, Sahabik Massin, la sédentarisation. Il y a nous sommes en Mahon, nous sommes en Soufous, c'est le silex même, c'est les trucs, etc. C'est l'observation aussi, l'observation, etc. Nous copier dans les animaux parce qu'on les observe, nous copier de l'eau, comment elle fonctionne, on la copie, c'est pour ça que si certains soi-même, etc., là un courant, ou d'une électricité soi-même, etc. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que toute vie commune, c'est-à-dire quelle qu'elle soit, elle est liée à l'élément essentiel qui est le travail. C'est le travail qui unit tout le monde. Après, il y a des répartitions, etc. Les savoirs. Il y a les savoirs qui sont ancestrales, qu'on appelle un savoir. Tu es dans le savoir, parce qu'il m'a voulu nous faire de voilà. Tu es dans le savoir, à Awin, à Rousmour, à Noël, à Safanouel, Safana aussi. L'amour au travail, parce que l'amour, c'est important. Sans amour à quelque chose, on ne peut pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout ça qui a disparu. Notre société, elle a perdu ses valeurs, qui est l'une des valeurs essentielles, c'est le travail. Parce que c'est le travail qui nous permet d'élargir les connaissances. Et comme on n'a pas besoin de connaissances, on n'a pas besoin de travail, on vit avec le pétrole, qui est le quart dollar, le collège, etc., la fonction publique, etc. Tout ça, quoi. Donc, on perd de plus en plus l'élément essentiel qui fait qu'on vit en groupe. On vit en groupe. L'intérêt du groupe, parce que c'est génial. C'est le ciment du groupe, c'est le travail. C'est le travail. Justement, vous m'avez rappelé, justement, le samedi prochain, justement, nous aurons une conférence autour du thème qui sera animée par Jamel Taibi. Autour du Jamel Hadi, il a les deux parents. Donc, le thème, c'est comment remettre l'Algérien au travail, justement. Donc, c'est le thème qui sera abordé le samedi prochain par Jamel Hadi Taïf. Je te donne un seul exemple. Quel est la réaction spontanée à l'Ahd al-Khabz, mais personne ne s'est dit, bon, il laisse, mais d'abord, il laisse, mais d'abord, il laisse, mais d'abord, l'assistana. Voilà, c'est ça, on a perdu, parce qu'on n'est plus autonome, on n'est plus indépendant, on n'est plus, bien sûr, là. Mais par contre, les savoirs en Touraine, les savoirs en Zik, on a introduit d'autres façons d'acquérir le savoir. Ou l'enfant, c'est vrai, l'enfant, c'est là où tu peux le conserver, l'enfant. Tu vas lui donner les outils, ce n'est pas ça, ABCD, etc., ce n'est pas seulement ça. Tu lui donnes les outils nécessaires d'être autonome dans la réflexion, dans la pensée des Khadim, etc. C'est l'arme essentielle. Aujourd'hui, on prend les enfants très jeunes, à 10 ans, 12 ans, ils sont dans les inventions. Ils sont dans les inventions. Pourquoi? Parce que dès leur jeune âge, on leur donne les outils nécessaires de travailler leur imaginaire, de travailler leur truc, etc. Voilà. Mais l'école algérienne, elle a déterminé ça. Parce que nous, l'école, elle ne joue pas le rôle de l'éducation. Enfin, à Tsarbé. Ce n'est pas le rôle de l'école à Tsarbé.
Ce n'est pas la peine d'avoir la famille, le père, la mère, les repères, etc. C'est toute la société qui s'appelle. L'école, elle est là à transmettre les savoirs. C'est les fondements, les savoirs. Demain, c'est ta plus grande richesse parce que tu as acquis les savoirs. Mais qui dit non, ça peut être tout. Hein, même la transformation des choses qu'on a, les transformer. Il y a différentes façons de voir, c'est l'observation, c'est les techniques d'aujourd'hui. Il est capable d'inventer une machine qui l'aide à travailler parce qu'il aime la pierre, c'est son amour pour la pierre. Donc il l'a aidé. D'autres, ça sera autre chose. ويحمل هنا الفلاح ويحمل لي ماتيماتيك ويحمل الانفورماتيك ويحمل وي شاكان دو نو لا سكون ابل سي سي بريديسبوزيسيون سي كومبيتونس ا كيري اي كوم كني فورد كيك الكولونياليزم اكسيتيرا ايل فور ريوسير لا ريوسير ات لي شيخ نجا اكيري السافوار اتسليز الشيخ اتسليز الطبيب اتسليز جوج اتسليز وين اتسليز وين او فيت سي لا فونكسيون كي ديفيني لا ستاتو سوسيال سو ني بلو لو ترافاي كي ديفيني ستاتو ان ارتيزون دون لي بيي كي سي ريسبكت اي لا اون غروند فالور ان ارتيزون. C'est un artisan. Le mot l'indique. Voilà. Il travaille, il transforme, etc. Les artisans, on a, c'est l'échec scolaire. Nous, c'est un voilà. Mais l'essentiel, tant qu'on n'a pas compris que la valeur essentielle, c'est le travail, c'est elle qui produit les choses, on va vers l'échec. On va passer au roman. Pour la réussite sociale chez la jeunesse, mais douceur. Franchement, on dit ça. On sert beaucoup plus pour apprendre beaucoup, pour vous écouter, parce que franchement, moi-même, vous aurez là un petit allié d'effort, et Joaquin. Les jeunes réussissent parce que le coin d'Israël, là, là, magique, à la fin. Mais, Meila proposait des week-ends, un chalmet, c'est pour toucher à ce problème d'éducation et de choisir que la jeunesse. Non. C'est un problème primordial. Avant tout, n'importe quoi, mais là, on n'a pas réussi à avoir une jeunesse saine, travailleuse, qui prend de la peine, et se dit, pour l'inaire dans la kleptomanie, parce que pour moi c'est un kleptoman, donc نغسس حفظ غسمي سنكيني ثم زيخت أورك يووني لها مرد يخدم الحاجة كاش هاي ديك تخدم الزيخت مني اش هاي سحفظ عيز أوبا كومواسي با أدور من إلا نقولي لا سوسيتينا نسعى دو فالور أنسسترال نوار نتدى الجدود أنت الحذر أوبا لا لي ترانسميتر مي كومو لي ترانسميتر الباس بار نو مام كي سوم بارون. Et on doit donner l'exemple. Parce que si tu ne sers pas d'exemple pour tes enfants, ce n'est pas la peine de se faire.
خاطر وزمدرس اللي وينشيني روح تزومه وارك تصور ملانة كان قارن سلوق لايين. donc براون الدوكيمونتير اجي on a essayé de donner des idées parce qu'il y a des exemples de réussite. Einstein dit, mais tu peux neuf la solution, mais c'est pour injecter, non, bon, injecter c'est un mot, voilà, c'est mais c'est pour mettre dans l'idée, dans notre idée, il a le point, un khadam, un hoi, maintenant un wali, un calme, je t'en bêche, un lancé, un kilali, un snevno, c'est le fahama, c'est le karaya, c'est le ou d'une façon pacifique. Quand on a matériel pacifique avec les Yémenis, à discuter de pacifisme. Matériel de la Chine, tu transmets le Hana. Mais il est fahma, tu transmets le Fahama. Hashtag. Il y a des gens qui ont un combat. Et il y a des gens qui ont avec la séduction. Mais tu t'es menacé, tu t'es menacé, ou lèche la violence, mets l'air gentil. Ça faudrait être plus gentil que toi, mets l'air violent, ça faudrait être plus violent que toi. Donc, on va se faire un stéwil, Inch'Allah, on va réussir. Voilà, mon but est de soumettre ce sujet sans pour autant. Il n'y a personne qui peut le traiter parce que le problème d'éducation de la réussite depuis l'aube de l'humanité, il faut que ce n'est pas au ras de savoir. Là où il y a le Han, là où il y a le Bhara, là où il y a réussi, là où il y a réussi, pas, mais l'un des exemples dans la vie. L'un des exemples, donc on essaye à peu près, on a un où il y a le Fun. On a un où il y a le Fun, on a un travail de ce forum. On se souvient d'un échelon là, un documentaire qui est là. Donc voilà, Inch'Allah, il nous a inspiré tous et qu'il vous m'avez dit des mots qui m'ont enrichi. Je suis très content et je vous remercie tous ceux qui ont parlé. Pour conclure, donc, on va prendre juste deux minutes pour présenter le livre à Guy. Bon, puisque. Voilà, silence, il faudra 2017 à Guy. 2017. Il n'a dit rien de quel est le rapport entre le roman silence et le documentaire agi. Oui, il y a un rapport, il y a un grand rapport. D'ailleurs, le scénario du documentaire parce que le roman raconte l'histoire d'une Française. Donc je vais vous lire ici le résumé. Non, mais, donc elle avait un ami de jeunesse. Elle l'a quitté et puis lui il est rentré en Algérie. Donc ils sont connus à l'école en France. Un bed. Esmi, ça a joué 38 ans, 39 ans, elle a divorcé avec son mari. Et puis, vous savez, le divorce, ça fait très mal. Ça fait très mal. La douleur née lui a fait rappeler une douleur qu'elle avait vécue, Esmi Mzaï. Parce qu'ils se sont séparés à un certain moment, donc la douleur née fâchisse déjà. Et puis, elle s'est rappelée de son ami d'enfance, Esmi Skassi. Donc maintenant, avec les moyens de maintenant d'Internet, elle a cherché l'Internet, elle ne se souvient pas vraiment de son nom. Donc elle a tapé, elle a trouvé, puis elle lui a envoyé un message. Le message, c'est un message codé, il n'y a que lui qui puisse le comprendre, parce que c'est un code, yes, et qu'il est d'un secret, yes, donc yes. Mais, oui, non. Il va lui répondre, mais je dis, oui, non, il ne va rien comprendre. Très bien, donc elle a retrouvé. Oui, c'est Farah. Donc, il s'est divorcé, il s'est bien. Il y a un peu de temps, donc pour le souvenir,
Donc voilà, pour aller plus vite, je vais faire un petit résumé. Tout ça dans l'égal d'ailleurs. Elle est venue pour le voir parce que ça, il ne peut pas avoir de visa, a refusé des visas, comment ça va être de Bouanegui. On va dire d'ailleurs, il lui a présenté où il est la Kabylie, chez Taron et tout. Et donc vraiment, le sujet, il est très très bien extrait sur la propreté, sur les plages, sur tout ce qui se passe en Kabylie. Et entre autres, sur les gens qui travaillaient la pierre. Donc j'ai profité de Bouanegui, je sais que c'est un bon sujet, donc Khasulaoun Saoudar Abakiyara. Donc je lui ai consacré à peu près 6 pages d'Agui. 6 pages d'Agui. Donc ça devrait faire aussi des romans. Blé, Tadar, Migue, Khadem, la machine, mais c'est ça, on a un petit défablé qui est un petit suite de Blé. On a 4 pages d'Agui. Et puis la suite. La suite. Non. La suite. La suite. La suite, je ne peux pas raconter tout le roman. Le roman. Le roman. D'ailleurs, le oui de la radio, on a acheté un carnaval. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman. Le roman est un roman. إيه خدمة من ديباي ده سنة ميسكسي وي من ما يلايلو تيارا لا عند الزران كشغل الالكتراسي في كابر اسمي خدمة على الليبرا جيلا بي دي زونج عن 2005 وكيوز عرب اللي ودي وران اتواسن بيحزي إبام كل يوم شاي ديوي أتغدر مليار وما يشمار جا كل يوم شما في شما دينا بريح فلا بلي يستري فاقا بلي إفكتيمون لي جون نوليس با دو لا مان فاسون. Mais c'est quand même une femme dans l'histoire ou une femme dans l'histoire. Il est où il va retenir des choses qui n'y peut pas dans quelque chose que là. Après, tu vas commencer à te culpabiliser. Donc, on veut dire parce que le hajj, il est très 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 très. Donc, on peut dire qu'il y a un homme. Et qu'il y a un homme qui est là, la lecture, c'est un dialogue silencieux qui se passe entre les sentiments de l'auteur, le fond de l'auteur, أكيد كمان تقدر تسوقشيني. إلا هو وسنجي يوين يحمل على ليتير. يمكن فرنش كم باولو كورو، جل دار. سي سي ماني كريبا. يرب بيني كده دغري. يرب. سي با possible كمان جل. مم دايور برومانس انسبير بوكو دلا فاسان كي يختف. فيها سي يوين. أسا خاطر بدا جل. ماشي ما لاش. بس ناوي كيس فيها كده. Il y a quand même 2-3 4 pages là, je dis, ah ouais, je te dis la lecture. Et voilà, il est où il est, où il est, où il est, où il est, où il ne peut pas le lire. Voilà. Tout avant, donc voilà, ce que j'ai décidé, puisque Hunoui, bon, ça coûte 500 dinars. Mais j'ai décidé à ce que on a fait 500 dinars à chaque fois dans l'association Aini. C'est qui sommes joués aussi. Tisnet, on y va à dire oui. Via chaque fois que on a de voir chaque fois. C'est à dire on nous a aidé, mais on y va qui se met quand il s'agit de chaque fois on a acheté une fois, une fois, une fois, il n'y a pas de problème. C'est à dire on y va, c'est à dire je ne veux pas aller on y va à dire oui parce que ça aide, mais nous c'est oui alors. D'abord, j'oblige personne. Là, là, bon, voilà, la conférence a été faite. Voilà, c'est bon avant. Mais le niveau, c'était pour conclure. Sinon, j'ai terminé.